Salut YouTube, bienvenue sur la suite de God of War Ragnarok. Nous sommes chez les elfes. À l'extérieur, la tempête qui précède le Ragnarok fait rage. Enfin, je sais pas si elle fait rage, mais en tout cas, elle est présente. Il fait frais. Nous sommes ici pour trouver la fresque de Groa et ainsi apprendre plus de choses. Parce que je pense que si on trouve la fresque, Atreus va refaire son espèce de pouvoir pour rentrer à l'intérieur et avoir plus d'infos. Enfin, j'ai supposé que c'était ça, j'en ai pas parlé, mais ça se trouve, c'est pas ça du tout. On va voir. Wouah, j'aime trop. Ça change bien de décor, là. La lumière solide. Certaines choses ne changent pas. Oh ! Oui. La pierre transmet brièvement la lumière à ta hache. Ça, c'est pratique. Vas-y, j'étais en train de me dire, trop beau les fleurs, là. Et puis après, il y a eu un bruit. Il y a un côté verdoyant qui fait plaisir. Oui. Inutile de gâcher la surprise. Va voir la carte. Temple de la lumière, il y a un coffre, trois coffres légendaires, deux connaissances, deux artefacts, deux corbeaux d'Odin. Je serais bien d'en récupérer un maximum. Une surprise ? Ouais, ouais. On va voir. C'est la lumière ! Je n'avais jamais vu le lac des âmes si agité. Ah ! Fimbulwetter, tu penses ? Bien sûr. Il rend la lumière instable. Alors la source de ce puits de lumière, c'est le lac des âmes. Oui. Après la création des neuf royaumes, les âmes des défunts ont commencé à se rassembler dans ces eaux. En découvrant son potentiel, les elfes ont bâti ce temple pour canaliser son énergie. Un succès pour le moins fracassant. Beaucoup ont développé une dépendance à ce nouveau pouvoir. C'est ainsi que les elfes blancs virent le jour. Flash. C'est le puits d'éternité, comme dans WoW. Les elfes de sang, ouais. Mais grave. J'ai envie de balancer ma hache là-dedans, mais ça sert à rien. Ah, c'est plus bleu les trucs. D'accord. Les cristaux qui se cassent là, c'est plus bleu. C'est très calme. Pas de musique. Bon, si, il y a quand même un truc qui a bien fait trembler le sol. Un brin sombre. Je suis pas tellement rassuré. C'est très beau. Mais je trouve que l'ambiance est assez glauque. Finalement. Comment je fais, moi, pour faire rebondir ça? Ah, d'accord. Bien joué. Même si je me doute que nos amis elfes blancs ne seront pas de cet avis. En parlant d'elfes blancs... Laissez-moi encore essayer de leur parler. Laisse plutôt ces deux-là s'en charger, mon frère. C'est vrai que j'ai cette attaque maintenant. Je sais pas si j'aime. Un autre elfe blanc, sur la gauche. Wow, ils me sautent dessus. Faut apprendre leur pattern, hein. Sur ta
dragon. Sur ta droite. C'était une bombe. Ok. Ok. Bizarre. Ils sont arrivés par les ponts de lumière, mais ces ponts ont disparu. J'ai une idée pour nous faire passer. Heureusement pour nous, son refus de la violence ne l'empêche pas de s'en prendre à l'architecture. Raccourci. Il inspecte les environs. Il fait ça de temps en temps. Regardez-moi ces paillettes dans les rochers. Ah, les paillettes. Ce qui brille. Vous savez très bien que quand ça brille... Quand ça brille, s'il y a des reflets... Le temple n'est pas comme dans mes souvenirs. La dernière fois, il était en ruine et couvert de cette drôle de substance. Ces elfes utilisent la lumière d'Alpha et pour renforcer le temple. Et eux-mêmes, à l'évidence. Ils semblent clairement plus dangereux que l'autre fois. Et ce n'était que des fantassins. Plus nous progresserons, plus ils seront dangereux. Super. Ouah, regarde ça, là. Si les elfes utilisent la lumière pour faire des portes et être plus forts... Je vous mets en plein écran. Que veulent en faire les elfes noirs ? La renvoyer à sa source. Pour eux, les ressources naturelles d'Alfheim sont sacrées. Et la lumière plus que tout autre. Oui, le succès des elfes blancs a eu un coup terrible. Après la création de ce temple, le désert jadis luxuriant d'Alfheim est devenu une terre aride parcourue de tempêtes. Je vois de la pierre de nuit là-haut. Ouais, j'en vois aussi, hein, t'es pas obligé de le dire. Voilà, avec une sacrée collection de poèmes, mon frère. Pourquoi es-tu surpris? Mon peuple est réputé pour sa culture. Je ne suis pas surpris. Je me réjouis. Après, il donne des infos qu'on avait bien vues. Hein. Je veux dire, c'est difficile de le rater, celui-là. D'autres elfes blancs. Je m'en occupe. Ce n'est peut-être pas une si bonne idée. J'ai que la moitié de ma vie. Hey, oh ! Mes amis, salutations, nous venons en paix. Sire ! Sphère mystique. Sur ta gauche ! J'ai le temps de comprendre. Et voilà. C'était elfe blanc mystique. C'est pour les renvoyer en fait. Ah,
J'ai pris cher, hein. Maintenant, je comprends pourquoi ils se battent. Les elfes noirs veulent préserver les âmes dans la lumière, et les elfes blancs veulent les utiliser. Parfaitement résumé, oui. Mais alors, qui a raison? C'est rarement aussi simple. Et ce n'est pas à nous de trancher. C'est un conflit elfique. Je l'avais dit quand nous étions venus à Alfheim. Je sais. Atreus a de nouvelles flèches? Non, pour le moment, il a que celle-ci. Oh, il y a un joli coffre là-bas. Ils ont construit beaucoup de ces portes de lumière. Des fortifications. Oui, ils n'ont pas envie de voir les elfes noirs reprendre les commandes. Oh, je suis trop fan de ces murs paillettes là. En plus, il y a toutes les couleurs. Je ne crois pas que la fresque soit par là. Nous le savons. Il y a un coffre. Nous le savons. Bah oui, on le sait. Pardonnez-moi la patience. Nous, on veut le coffre. Pas simple. Tu peux pas t'occuper du machin là? T'as pas assez de muscles? Même tire là, il veut pas. Vas-y, tire la ficelle. LOL. Tu devrais pouvoir faire passer ta hache derrière cette grille. Et voilà. C'est parti pour le backseat. Puis-je te faire une suggestion? Non! Pourrais-tu l'atteindre avec ta hache? Les couilles. Ça a marché. Merci, Tyr. Je t'en prie. Allez, les trois backseaters, quoi. Les backseat boys. Attends, c'est quoi ça? Ah, une nouvelle poignée. Attends, c'est dans les reliques. Poignée de Gram. C'est donc une nouvelle relique. Ok, et on switch entre les deux, j'essaie de comprendre. Et donc, c'est donc quoi? Confère un accès de rage et étourdit les ennemis à proximité. Amélioré pour augmenter la quantité de rage en remportée. Bon, je suis plus pour garder le petit boost de dégâts au corps à corps. Un accès de rage. Je suis pas ultra demandeur. Ça me paraît pas si ouf. Oh non. Ah, salut. Quelle fin ! Attention à droite. Bah oui, mais tu mets les pieds dans la bombe. Nous pouvons reprendre. Ah.
Qu'est-ce qu'il faut viser là? Il est là-haut, le cristal bleu, en haut à droite. Je sais pas si je l'ai bien mis. Je crois que je l'ai remis à sa position de base. C'est triste. Il n'y avait pas une option pour mettre les astuces que donnent les persos en étendue. En étendue. On avait regardé les options, il n'y avait rien pour ça. Enfin, ou alors on n'a pas regardé le bon menu. L'angle a l'air bon. Mais d'où l'angle a l'air bon là? J'ai du mal à voir comment il représente la trage. Il est marqué par défaut et étendu. Non, c'est pas ça. Le truc où il y avait écrit ça, c'était pour le timing. Pour les énigmes avec du timing. C'était pour ajouter du temps, bah, quand on fait des trucs timés. Mais c'est pas pour apporter de l'aide ou quelque chose comme ça. Écoutez, je suis un peu débile, mais je ne comprends pas. Tu veux que je rebaisse ça? Pourquoi ne pas le maintenir en position? Ah, mais c'est parce que... D'accord. Excellent. Poursuivons notre ascension, d'accord? Améliorer ma rage avec l'XP, je crois pas, non. J'avais dit que j'économisais, puis finalement j'ai dépensé d'autre chose. Bah génial. Je me suis fait défoncer là, c'est quoi? C'est quoi ce bordel? On va se calmer là, les trucs explosifs. Reprends-toi, mon frère, tu peux le faire. Il faut vraiment pas les taper au corps à corps. Derrière toi, prends garde. Ah ouais, mais dès que tu t'approches, c'est la fiesta. Alors, quel est ton poème favori de Kvasir, mon frère? Pourquoi ne devrais-je en choisir qu'un? Ouais, mais c'est pas évident de l'utiliser tout le temps, quoi. Ça met du temps à recharger. Mais oui. Je suis d'accord. Je vais vous laisser faire. Le feu bleu sur la gauche. À droite. Quelle violence! Retrouvons-nous de l'autre côté. Oh! T'as vu comment il saute?
petit raccourci. Ah non, c'est le coffre que j'avais vu il y a tout à l'heure. Parfait. Fais voir la carte. Il dit qu'on a trouvé un coffre légendaire, deux artefacts. Oh là là, ce 100%. Ce 100% est en route. Attends, mais c'est quoi cette histoire là? Il y a plein de passages là. Allez, papa. Commence à comprendre. Bien, je n'avais jamais vu les elfes blancs contrôler les temples à ce point. Ils ont dû désigner un nouveau gardien du temple, le remplaçant de Svartaliofur. Le roi des elfes noirs. Il doit être dans la lumière maintenant. Oh, je vois. Tout est question de précision. Je sais pas quelle barrière j'ai ouvert. Mais c'est ouvert. Un simple babiole, symbole de renaissance, accessoire. Ah, c'est pour Atreus. La première flèche runique d'un carquois plein inflige plus de dégâts. Bah, très bien. A pas vu. Il y a de la pierre de nuit au sol. Oh. Marrant. Nous pouvons continuer par là. Père, par ici. Oui, je suis à côté de toi. Ne criez pas. J'ai bien vu. Ils arrivent. Faites ce que vous avez à faire. Lance ton arme sur l'arbre lumineux. Sur l'arbre lumineux. À ta gauche. J'étais dans le truc, quoi. Derrière toi, regarde. Vas-y. Comment il crée ces ponts? Regarde cette statue, ces cristaux. Je les ai vus sur les elfes aussi. Salut Tommy. Oh! Les cristaux créent toujours des ponts de lumière, et les elfes blancs les portent. Malin. On y est presque. Je m'en charge. Malinx. Ah, c'est sûr que quand on les découpe, on est sûr qu'ils sont morts, ça c'est sûr. Je me demande s'il ne prend pas un coup au vandalisme. Bientôt vous le verrez s'en prendre à la poterie. Peut-on continuer? Oui, bah laisse-moi faire le tour. Vous êtes pressé.
moins on se rapproche. Là-haut, vous voyez? Ça paraît plus grand de l'intérieur. Incroyable qu'il y ait tout ça en dessous. Ouah. Ça m'a fait un drôle d'effet, là, les draps qui volent. Enfin, qui... Tu vois? C'est clair ou c'est pas clair? Ah, bah ça c'est timé. Alors... Il est où le coffre? Arrête, je l'ai vu. Insupportable. J'aimerais bien jouer à ce jeu, mais j'ai que une Xbox. Et oui, ce n'est que PlayStation. Après, dans quelques années, probablement sur PC. Là, il y a une deuxième rune. Ah, mais le coffre est ici. Le Krenen. Donc, on a le R. On a le... N. Mais on n'a pas le K. Je ne peux pas passer derrière ces rideaux. Ils sont beaucoup trop épais. Maudit drap de satin. C'est vachement haut, toi. Tu as déjà fait les Zelda sur CDI? Absolument pas. Et je ne les ferai à bah jamais, parce que c'est un peu de la merde. Jamais! Ah, elle est là. Oh, énorme. Pourquoi toujours créer ces épreuves irritantes? Tu sais mieux que nous, mon frère. Je ne me rappelle pas la dernière fois que j'ai vu les normes. Mais je n'en ai pas... Quoi, la vitesse que je mets? Après, ils ont peut-être pas tous le même timing. Encore une pierre de nuit. C'est bon d'en voir à nouveau. Oui, bon, après... Salaud! Oh là là.
ça m'aide pas. Je suis trop lent. Bon Dieu. Ah, mais arrête de te prendre dans tous les coins. C'est bon, ça passe. Bien joué. Une corne sur trois pour augmenter la rage. Là, il y a YouTube qui était en train d'écrire un message, genre, mais pourquoi tu utilises pas ça? T'as utilisé ça tout à l'heure. Mais vraiment, trop con, mais c'est incroyable. Putain, mais le neveu de 7 ans, il l'a fait. Salut Galados. Non ! Explosion. Ma faute. Le neveu de 7 ans a déjà platiné le jeu. Non mais je sais que YouTube a pas dit ça. Je rigole, là il y a YouTube qui a écrivait un message pour dire qu'il avait pas dit ça. Je passe fêter mes 10 mois. La bonne journée à vous. Merci Serio Slinkairo. Merci beaucoup. YouTube, te vexe pas. T'es pas comme ça. J'aime bien. Chien! Attention alors! Derrière toi! J'ai pas eu le temps de lire l'astuce. Un autre arrive, à gauche. À droite, mon frère. Oh la bombe. Ah, ça fout du bombe là. Orbe lumineux, attention. Juste, il y a eu une astuce, j'ai pas eu le temps de faire attention. Je sais pas si on peut la retrouver. Défense. Les ennemis munis d'un bouclier bloqueront tous les coups frontaux. Trouve une autre angle d'attaque ou appuie deux fois rapidement sur L1 pour briser leur garde. C'est pas ça, ils ont dit de... Il y avait un rond bleu, je crois. Ah merde. Deux fois L1 pour les cercles bleus. Et vous avez vu des cercles bleus? J'ai pas fait trop attention. Quand c'est un rond bleu, appuie deux fois sur L1. Nouvelle hôte pour l'arbre de Niflheim.
C'est pour arrêter leur combo. Je me demande si on peut pas acheter des trucs d'ailleurs. Dans nos compétences, on est à 4000 d'XP. Pff, allez, vas-y. Ça, c'est avec la visée, mais bon. Viser et maintenir R1 pour charger la hache Léviathan. Après avoir empalé un ennemi avec le déferlement incandescent, maintenir R2. Déferlement incandescent, c'était ça. Hein. Lorsque vous visez, appuyez sur R2. Ouais, ok. Par contre, ça coûte 1000. Moi, si, j'ai sûrement dit que j'économisais pour un truc, mais j'ai oublié. Et j'ai oublié pourquoi. Coup de bouclier rapide à un ennemi infligeant d'importants dégâts d'étourdissement. Ça y est, Atreus. Vas-y! Une autre porte. Je me dis que les techniques, c'est toujours mieux à acheter parce que, vu que ça s'améliore en les utilisant. Autant les avoir le plus tôt possible, finalement. Je crois qu'on voulait améliorer l'attaque runique... celle-ci, là. Je disais, étonnant qu'il n'y ait rien du tout. Hé, père, là-haut. Ça y est. J'arrive. De toute façon, on devra tout acheter pour le 100%. Je suis pas sûr. Enfin, les compétences, oui. Améliorer toutes les reliques, je sais pas. Encore que les compétences, je suis même pas certain. Je sais pas trop la liste. Je sais juste que il n'y a pas de trophée lié à la difficulté du jeu. Le bouclier a bougé. On en fait des choses, attends. Ça a l'air bon. Pas doué pour ça. Tyr, lors de notre dernière visite, nous avons tué le roi des elfes noirs. C'est malheureux. Je me demandais ce qu'était devenu Zvartan. Nous devions nous défendre. Mais en mourant, il nous a dit que nous avions aidé le mauvais camp. Je vois. Bon travail, mon frère. Par ici. Nous y sommes presque. Nous y sommes presque. Ugh!
toujours une créature blessée, Atreus ? Oui, je crois. Mais c'est peut-être la tempête. Peut-être pourrons-nous aller voir, une fois que nous aurons découvert cette mystérieuse prophétie. Une créature blessée ou... ou un truc qui nous saute à la gorge et qui fait office de boss ? Là, la salle centrale nous conduira au sommet, quand nous aurons franchi cette énième porte de lumière. Attends, on avance ou... Non. Il est où le crystal ? Il est là-haut. Il y a une pierre de son là-haut. C'est du plus bel effet avec cette pierre de nuit. Les elfes blancs sont doués pour la décoration. Ça peut être les deux. Hein. Tout à fait. Il y a des fois des trucs que je vois pas qui sont au milieu de mon écran, mais c'est pas grave. Ça va être de l'autre côté. Ah. Elle est du mauvais côté. Peut-être quand... Permettez-moi de vous aider. Ah, ça y est, il commence. L'angle m'a l'air bon, Kratos. Moi je trouve pas du tout que l'angle est bon, c'est très perturbant. J'ai pas du tout l'impression que la hache est censée faire ça. Et à quoi a servi ce truc là ? Ça a peut-être libéré l'autre en face, j'ai pas vu. D'accord, ça y est. Ça y est! Oh my god! C'est lui le caribou. De quoi parle-t-on? Pouvoir? Richesse, ambition, c'est un peu vague, non ? Sans limite, je dois admettre que la beauté de ce temple est inégalée dans tous les 9 royaumes. Et dire qu'il y a encore 2 hivers, tout ceci était dissimulé dans l'obscurité de la substance elfique. C'était certainement ravissant, mais tout de même, le marbre blanc et les moulures dorées ont bien plus de charme. Ça m'a perturbé parce qu'en fait, j'étais persuadé que de l'autre côté de cette plaque, il y avait... la surface miroir dont on avait besoin pour casser le cristal. Alors, je ne comprenais pas. Mais en fait, c'était du bonus. Ah, la lumière d'Alfheim. C'est magnifique. Oh.
Qu'y a-t-il ? La dernière fois, j'entendais ma mère dedans. Mais plus maintenant. Son âme et la lumière sont unies. Liées par des forces plus anciennes, Codin. Elle est en paix, Atreus. Je l'espère. Quand père est entré dans la lumière, il a dit que... Tu es entré dans la lumière d'Alfheim ? Oui. Pourtant, tu es là. Saint d'esprit et absolument pas calciné. Je veux l'entendre, Kratos. Qui as-tu vu ? Je ne partagerai ce souvenir avec personne. Mais ce fut très fugace. Ça ne m'a pas paru si fugace. J'étais piégé. Atreus a bravé le danger pour me sauver. Je ne peux que l'imaginer. Bien. Le triptyque de Groa nous attend. Donc tu as déjà rencontré Groa ? Plusieurs fois. Mais elle souffrait de visions constantes. Les discussions étaient... difficiles, si je puis dire. Non, on n'y retourne pas. Qu'est-ce que tu fais ? J'ai... entendu quelque chose. Père, elle... elle n'est plus là. Oui. Continuons. Ça l'a perturbé, tout ça. Nous y sommes presque. Ils ont redécoré l'endroit. La dernière fois... il y avait de la substance elfique partout. Et tellement d'elfes noirs. Tout ce temps, j'ai cru que le roi des elfes noirs... j'ai cru que les elfes noirs étaient... Tyr ? Oui ? A-t-on aidé le mauvais camp ? Es-tu certain que c'est la bonne question ? Quelle est la bonne question ? Y a-t-il un bon camp ? Exactement. À ton avis, Atreus ? Y a-t-il un bon camp dans cette guerre ? Je ne sais pas. Alors garde-toi d'en choisir un. On peut pas descendre, là. Avance parce que je sais pas ce qu'il y a à trouver là, mais j'y arrive pas. C'est joli là. Et étrangement vide et calme. La fresque est juste là. Oui, mais il y avait un coffre des Nornes ici l'autre fois. Ah, il a dû être déplacé. Ouais, j'espère que vous avez le même rendu que ce que j'ai. Hein. La voilà. Ah, vous êtes tous là. Ah.
Mais t'es déjà là, toi ? Insupportable. Tu crois au destin, Sindri ? Oh, bien sûr que non. Crois-tu que je me laverais autant les mains si je pensais que mes actions n'ont aucune conséquence ? Il n'y a qu'une chose qui puisse déterminer notre façon de vivre, et c'est nous. Hé, hey, Sindri ! Ta forge était de l'autre côté de la fresque la dernière fois. En voilà un qui a l'œil. Pardon. Ils ont un certain souci de l'esthétique. Pour être honnête, je n'en sais pas plus que toi. Enfin, à forge donnée, on ne regarde pas le soufflet. Quel bazar. Allez, bonne chance. Le rendu à 30 fps ? Ne me dis pas que t'es à 30 fps. Ne me dis pas ça. Oh, il y a des nouvelles armures. Je les prends. Et en parfait état, en plus. Armure. Alors, nous avons à présent l'espalier d'éveil spirituel. On perd en force, on gagne en défense et en pouvoir runique. Les attaques portées avec l'éveil de givre et le coup de fouet ardent ont une chance modérée d'octroyer une grâce runique. Les attaques runiques infligent plus de dégâts aux ennemis sous l'effet d'un état. Est-ce qu'on crafte tout ce stuff spirituel ? Je sais pas. Oui ? Oui. Allez ! On crafte le stuff spirituel. Ah ! C'est peut-être ma plus belle pièce du jour. C'est très bien. Cette fois, ne va pas me l'éclabousser, hein. Et il faut de l'acier nain pour l'améliorer. Donc elle reste comme ça. On a perdu quand même une trentaine de points de force, je crois. Je sais pas si ça me plaît tant que ça. Écoutez, je vais quand même garder le torse de force pour équilibrer un petit peu les stats. Hein. Salut Brita. Salut Laszlo Strange. Je trouve le jeu moins beau que Plague Tale Requiem, surtout les paysages. Il y avait des paysages dans Plague Tale Requiem, effectivement. En fait, je trouve qu'ils étaient très forts dans le dans l'effet de loin, de lointain. Je trouve pas mes mots, mais voilà. Ça rendait vraiment immense. Les géants ont toujours aimé cacher leurs secrets au grand jour. Attends un peu de voir ça. Le rendu de la profondeur, ouais, dans les décors de Plague Tale c'était vachement bien fait. Ici, on voit Groa qui cherche son époux. Elle n'a jamais perdu l'espoir de le retrouver, méditant des semaines durant, sans interruption. Malheureusement, c'est autre chose qu'elle a trouvé. Une vision du Ragnarok. La vision de Groa est parvenue à Oda. Il l'a fait quérir pour lui demander une séance privée. Il n'a pas aimé son histoire, semble-t-il. Le bois de fer ? C'est le... Je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est le sanctuaire mystique des géants. Curieux. Il est à Jotunheim ? Je sais que certains géants le pensaient, mais le bois de fer n'est pas un lieu, petit. C'est un concept, un paradis métaphorique. Il n'est pas réel. On raconte que Groa a voulu que ses cendres reviennent à Jotunheim, tandis que son âme trouverait la paix dans la lumière. J'imagine mal Oda respectant sa volonté.
le champion. Je crois que c'est censé être... moi. Tu présumes trop. Oui, mieux vaut ne pas prendre ces allégories. C'est ce qu'on avait dit dans la première vision de ce genre. Quoique, certaines sont plus limpides que d'autres. Le Ragnarok. Oui, la fin de toute chose. Alors c'est fini. Il n'y a rien qu'on puisse faire pour l'empêcher. Ce doit être possible. Pourquoi cacher cela, sinon? Regarde! Tire! Voilà ce qu'on a vu. C'est toi, combattant au Ragnarok. Non. Je ne peux pas. C'est quoi, ça? C'est nouveau. Asgard est détruit. Mais pas les autres royaumes. Évidemment. Odin se base sur une fausse prophétie. Alors, on peut gagner le Ragnarok. On peut battre Odin. Nous ne faisons pas partie de ce récit. Mais c'est Tyr qui menait la charge contre Asgard. Et puis, l'armée de Hel. Et les elfes. Le champion. D'accord. Peu importe de qui il s'agit. Pour la première fois, on sait quelque chose qu'Odin ignore. On sait qu'on peut gagner. Tyr ? Je ne laisserai pas une prophétie me dicter mes choix. Mais on vient de non, te voir ! Atreus, tu te trompes. Viens, nous avons à parler. On n'empêchera pas le Ragnarok, mais on peut le gagner. Si Asgard est détruit, Odin ne sera pas la seule victime. Il doit y avoir un autre moyen. Alors, qu'avez-vous vu ? Beaucoup de choses. Groa a menti à Odin. Le Ragnarok n'est pas la fin de toute chose, seulement la fin d'Asgard. Seulement la destruction d'un royaume entier, hein ? Sans parler de ses citoyens, de sa faune. De ces innocents ignorant tout des méfaits d'Odin. Assez. Nous aurons le temps de parler quand nous serons rentrés chez nous. Asgard, c'est notre royaume d'origine, non ? Ah, quoique... Non. Attends, j'ai un doute. Midgard, c'est notre royaume d'origine. Ok. Asgard, c'est le domaine des dieux, oui. Les As, les fameux. Ok. Peut-être devrait-on sortir d'ici d'abord. D'accord. Viens pas ! Oh, elle s'est pris sa propre bombe, je crois. Les As, ceux qui chantent. Je veux de l'amour, je sais plus ce qu'elle dit. Ah ! Je l'ai fait, t'as vu ? T'as vu, je l'ai fait. Deux cercles bleus, j'ai appuyé. Alors. L'amour et de la bonne humeur. C'est pas l'argent qui fait mon bonheur.
Moi, je veux ta mère. Non, je sais pas ça. Je sais plus les paroles. Tiens pas. Allez, poubelle. Poubelle, les elfes blancs, là. Allez, hop. Ça dégage. Ah, et j'arrive enfin en bas. Moi, j'ai la trompette en tête quand on parle de Zaz. C'est quoi la trompette? Mais enfin, brioche, c'est un instrument, un cuivre. On souffle dedans et ça fait... Merde, j'ai cru que c'était Tyr qui était là. Tu, gamin. En bas. Évidemment, j'ai plus mon attaque runique. Zaz fait un bruit de kazoo avec ses mains plutôt que de la trompette. Hâtez-vous avant que d'autres n'arrivent. Attention à gauche. Les Nora. Quoi, les Nora? Nous devons avancer. Il est vraiment nerveux. Tu penses qu'il va bien? Concentre-toi. Attends, parce que... Tyr, il est là-haut? Pas ses tirs. Trompette, kazoo, moustique, peu importe ce que c'est, je l'ai en tête. Moi je veux aller en haut. Ah vas-y, j'ai merdé. Mais il y avait un truc là-haut qu'on sous de ma gueule. Où je vais. On a clairement raté des trucs ici. Assez. Alors que voici un boss.
Donc on a passé une phase. Trop tard. Ok, elle en fait deux d'affilée maintenant. Utilise ton bouclier, tiens pas. Non. Non. Ah non, non, elle se soigne pas du tout, là. Non, non, elle se soigne pas du tout, là, c'est sûr et certain. Tyr, est-ce que ça va? Non. Ok, nouveau bouclier. Accélère la rémission lorsque lutte... J'ai pas eu le temps de lire. Flamme de glace pour améliorer la hache... Léviathan. Attends, je check le bouclier. Ah, on gagne en renouvellement, mais on perd en chance. La chance, c'est important. Renouvellement, c'est pour obtenir nos techniques plus rapidement. Confère une grâce de renouvellement à chaque interruption d'attaque signalée par les doubles cercles bleus. J'ai bien envie d'essayer. On verra ce que ça donne. J'aime bien la technique du double cercle bleu. Non, la chance, c'est des trucs qui se déclenchent. Genre, je sais pas si j'ai un exemple sous la main. J'en ai pas. Sur l'armure, je crois qu'on en avait. Les coups finaux ont une chance élevée d'augmenter temporairement la force. Par exemple, sur mon torse, il y a ça. Tire. C'est terminé. C'est loin d'être terminé. Où est la poubelle, Tire ? Tout se passera bien, Tire. Tu as vu ce qui nous attend ? Je vous ai dit que je refusais de faire la guerre. Et me voilà traînant une innocente et me dirigeant vers la destruction d'Asgard. Mais est-ce qu'on a d'autres choix ? Il y a toujours le choix. Je ne vous mènerai pas à la guerre. Je m'y refuse. Je ne suis plus ce dieu. Je ne veux pas me battre. Mais avec vous, on ne peut y échapper. Vous semez les morts par centaines. Votre voix n'est que peine et souffrance. Il
Si vous me permettez, on va faire un petit arrêt codex. J'aimerais bien lire l'info sur le boss qu'on vient de tuer. Alva. Je t'ai vu ! Tu es là. Il y a de cela plusieurs hivers, nous avons vaincu le roi des elfes noirs, Svartalfur. Il semblerait qu'une nouvelle gardienne du Temple de la Lumière ait été nommée en son absence. Son habileté à l'épée et sa capacité à contrôler son corps dépassent tout ce que j'ai pu affronter jusqu'ici. T'exagères un peu. C'est elle qui nous a agressés, mais Atreus se demande une fois de plus si nous n'avons pas aidé le mauvais camp dans la lutte qui oppose les elfes blancs aux elfes noirs. Un seul camp m'importe dans ce conflit, le nôtre. Tu marches sur le cadavre. Non. Atreus, malheur. Oh my god. C'est bien bon. Par ici, des chaises. Ok, je m'attendais à ce qu'on ait un QTE là. Merci. Et désolé pour tout à l'heure. Je... Non. C'est moi qui suis désolé. Je n'aurais pas dû venir. Il faut avancer. Apparemment, il n'y a rien. Écoute, j'essaie simplement de faire ce qu'il faut. Et d'après la prophétie... Ne parle plus de prophétie. La guerre ne te donnera pas ce que tu recherches, Atreus. Seulement la mort. Alors que sommes-nous censés faire ? Se coucher ? Et attendre ? Assez. Nous discuterons de la suite quand nous serons hors de danger. Ouais, l'ambiance est tendue un peu quand même, mais c'est pas grave. On fait une pause pour YouTube ou bien j'avance encore. Créer un chemin jusqu'à l'accès mystique. Ouais, il faut qu'on rentre. Non mais on va faire une pause pour YouTube maintenant. Avant de rentrer à la maison. YouTube, on se retrouve dans la partie suivante. J'espère que tu as apprécié celle-ci, notamment les paillettes sur les murs. Ce qui était effectivement le principal atout de cette partie. On se retrouve bientôt, des bisous. Ciao.